Bonjour les téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Il y a longtemps que j'ai plus venu en vidéo sur cette chaîne. Je suis désolée, mais avec mes cours pour le moment, c'est un peu compliqué de vous prendre. Mais aujourd'hui, je viens vous prendre. Je viens de rentrer. Je suis encore essoufflée. Je viens d'aller au salon de la romance à Mons. Et du coup, j'ai fait des gros craquages. Voilà. Et du coup, je vais vous présenter tout ça. Je vais vous montrer d'abord. J'ai été chez Trafic et je me suis pris des verres comme ceci. Et ça, vous mettez au congélateur. Enfin, vous mettez le bas au congélateur pour que ce soit les boissons plus fraîches. Et du coup, on en a pris deux. Voilà. Ça, c'est hors maison des livres. Du coup, j'ai quand même ce sac-ci. Et ce sac-ci que je sais pas porter, il est trop lourd. Ça, c'est un monsieur. C'est des... Je peux vous montrer. C'est des chiclettes là. Voilà. Et en même temps, j'ai été dans le truc de Mons. Dans le. Comment on dit? Oh, tous les magasins. Et il y avait un truc de manga. Et du coup, je me suis pris des mangas. J'ai peur. Je peux les montrer parce que je vais pas payer. Mais voilà. C'est pas ce que je représentais vraiment. Voilà, il y a beaucoup de. Le loup des fruits. Il y a un truc du sexe dedans, voilà. Partenaire, là, il me tente bien. Enfin, celui-là, c'est monsieur qui l'a trouvé. Et il a l'air très, très, très chaud, chaud. Je vais pas vous montrer les dessins parce que il y a beaucoup de trucs qu'il ne faut pas. J'ai reçu un verre Blacking. Voilà. Tous les croix de la romance. Trop beau, je suis contente d'avoir le verre. J'ai eu ça, comme ça, mais je sais pas c'est quoi. Pour moi, ça doit être un sac à bananes, si j'ai bien vu, un petit sac. Une trousse? Ah non, c'est une trousse. C'est une trousse. J'ai cru que c'était une sac à bananes, mais c'est une trousse. Oh. Voilà, c'est une trousse. Je suis trop contente de l'avoir eu. C'est normal, j'ai fait un gros caca chez eux. Du coup, voilà. Oh, je vous montre tout ça. Et j'ai reçu le livre. Ah, c'est le. Je vous montre quand même. Je sais pas si vous allez voir. C'est un petit flyer. Ils seront à l'espace à La Rochelle. 100% romance. Blacking. J'ai eu le petit tote bag. Ça fait toujours plaisir, le tote bag. Du coup, je me suis pris. Par contre, je ne sais pas lire le nom. Si tu peux. Ça parle de Drag Queen. Mais ça a l'air trop pas mal. Il y a des petits pinceaux aussi. Est-ce que je vous lis la quatrième de couverture? Je suis la beauté de Paris. Pour ton service, Drag Queen. Bono, la nuit je reviens à Chelles, le sexy joue sexy le jour. Bon, à part où commencer, tout débute lorsque Chelles, enfin moi tu sais, rencontrer le fameux Cassie, funky, parfait, jeune et franchement débarqué à Las Vegas, qu'il décroche le job dans un casino où je bosse. Baigne, mon petit cœur s'emballe. Je craque même si j'ai peur de m'attacher. J'ai une énorme crush pour un mec, mais je flippe de mes activités nocturnes de drag queen. En faisant fuir, alors j'agis comme une idiot et je lui cache tout simplement Cassie. Plutôt bien avec sa beauté, donc il ne suppense pas la vérité identité. Il y a une tache sur mon lit, sur moi. Tu vois, les ennuis se profitent comme va-je gérer ma relation naissance tout en dissimulant cette partie aussi sibilante que photo de ma personnalité. Beau,
beau de Paris. Le pire reste à venir lorsque Cassie se retrouve mêlée à des affaires dont net impliquant les mafieux, l'FBI qui accroche à Gara Queen, ça te dit? J'espère que t'as bien accroché ta perruque parce que moi, ça va décoiffer. Oui, ça a l'air de décoiffer. Il va devoir cacher son secret. Voilà. Voilà pour le premier. Je ne sais pas où les mettre avec mon chien qui est juste à côté de moi. J'ai celui-ci, Crush Revanche. Et celui-là, je crois qu'il est dédicacé. Il est dédicacé. Avec la petite carte de l'autrice. Une petite illustration trop mignonne. Une autre illustration. Voilà. Après, il y a celui-là que j'avais vu et qui me tentait beaucoup. Le retour de sa propre mission. You. C'est toujours chez Black King. Voilà. Celui-là n'est pas dédicacé. Mais il a l'air top top. Je ne vais pas vous lire tous les résumés. Vous les retrouverez bien un peu partout. Je me suis pris un poche. Joe. C'est un peu Noël celui-là. Mais voilà. Je me suis dit. Pourquoi pas, il était à 8,99 €. Voilà. Après, j'ai tout le sac ici. Vous voyez pas, mais c'est lourd. Voilà. Ça, je vous montrerai après. Hop. Du coup, je me suis pris Wolf. Wolfgang. Voilà, il est trop beau. Revient de Miss Machin Truc. Celui-là, c'est celui de mon papa. De con, je connais rien. Voilà, ça c'est celui de mon papa. J'avais fait les décasser pour lui. Hop. La même autrice, Miss Ger, je sais pas comment ça se prononce. Il est trop beau aussi celui-là. Du coup, j'ai eu le marque-page. Des petites, je suppose que c'est les filles du bouquin. Voilà. J'ai eu une autre carte. Une autre carte. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Oui. Voilà pour celui-là. C'est la même autrice que l'autre. Et du coup, ça, c'est le mien. Ça ne change pas grand-chose, hein. C'est juste qu'il est dédicacé à mon nom. Du coup, on a eu. Enfin, moi, j'ai eu des petits stickers. Enfin, mon papa aussi. J'ai eu un. Enfin, je vous montre les trois stickers. J'ai eu celui-ci. Je vous montrais les ailes. J'ai eu ceci. Un petit pouce. Et le marque-page. Voilà. Et la petite dédicace que j'ai pas. Voilà. Il est trop beau et je suis trop contente de l'avoir. Et en même temps, j'ai eu. Parce que je vais pas vous montrer avec l'autre livre, celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. C'est une un magnète pour mettre le frigo. Un bic. Et alors, j'avais eu d'autres choses, mais je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas où ils sont. De toute façon, je vous montrerai tout et je vous montrerai les goodies à la fin. Parce que. Hop. J'avais pris ces deux-là. Mais je vais les remettre après. Ces deux-là. Ça, c'est à moi. Je voulais les faire dédicacer de Laura S. Will. Sauf que il y avait une file pas possible. Elle a même commencé plus tôt pour vous dire. C'était horrible la file. Du coup, ils sont pas dédicacés. Je suis un peu triste, mais c'est comme ça. Voilà. Du coup, je me suis pris le tome. Bon, ça, c'est le marque-page. Je me suis pris le tome 1 et 2. Le loup aux mille anses. Voilà, le tome 1 et tome 2. Voilà. J'espère que ça va être chouette. Je n'en ai pas plus. On a eu un marque-page. On dirait que j'ai pas de marque-page dans celui-là. Ah, si, hein. Comme ceci. Ils sont beaux, ils sont doux ceux-là. Je ne sais même pas ce qu'il y a marqué. Bien-être. J'ai même pas lu.
J'espère qu'ils vont être bien. Du coup, voilà, j'ai pris le 1 et le 2. Mon celui-là, c'est mon père. Je crois pas que je le perds. Je me suis pris celui-ci. Il me tentait bien aussi. Désir, désiré, es-tu? Voilà. C'est chez Livre S. Je crois que c'est comme ça se dit. Il est dédicacé aussi. Et j'ai eu le marque-page. Voilà. Dédicacé. Il me tentait bien. Voilà. C'est une jeune. C'est Manon, la jeune femme célibataire décide de prendre le sport au premier pas pour changer sa vie. J'ai mal aux dents. Tout pour changer sa vie. Une fois, une toute petite décision qui va pourtant toujours basculer dans son quotidien. Un maître. Son chemin de Benjamin, le prof aquatique. Tous deux souhaitent une seule chose, se blottir dans les bras, rassurer sans pour autant aller plus loin. Et parfois, ils hésitent à faire bien les choses. Mais voilà, il est vraiment là, réel, reste là. Comme pour retrouver son désir dans tout. De passion et désir, ouais, ça a l'air vraiment pas mal. Est-ce qu'ils vont craquer? Est-ce qu'ils vont pas craquer? Ça a l'air trop chouette et je suis trop contente d'avoir la dédicace. J'irai les dédicaces après parce que là je vous les montre. Ah, dans celui-là, je vous ai montré. J'ai l'impression d'avoir. Hop! Voilà, c'est ça, c'est l'endroit du salon. Et ça s'appelle comme. Je vous montre. Comme ceci, Love Store, salon de la romance. C'était trop chouette, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Ça, c'est la même autrice, je pense. Oui, c'est la même autrice. Trouble-moi. Voilà, si j'ai bien compris, il faut lire celui-ci. Celui-ci avant celui-là. Je crois que c'est comme ça. Il faudrait que je regarde. Oh, celui-là était un peu abîmé. Il faudra vraiment que je regarde. J'ai eu la dédicace. La dédicace. Et le marque-page qui n'est pas très belle. Un beau marque-page. Je suis trop beau, j'adore. Voilà. Après, j'ai pris un gros pavé. Mais un gros pavé. Celui-là. Me fuis pas. De Mila Wall. Servillon inter. Graal. Il a l'air fameux. J'aime beaucoup le petit dessin. Et celui-là, je ne sais plus ce qu'il parle. J'avais craqué parce que. Je vais reculer ça. Hop, ça ira beaucoup mieux. Ça ferait mal au dos en fait. J'ai pas beaucoup de place dans mon divan. À 19 ans, Maya est torturée par son passé. Elle a hérité sa souffrance comme un rempart, la protégeant du monde qui entoure. Même. Ses proches se torturent à se mutiler. Virtueuse accomplie, la mission est revenue sans refus. Et son principal mode expression, c'est tout ce qui lui reste. Son chemin croise celui de la Romeo Benedetti. Hérésitive et la belle de musique. Il est soi-disant prétentieux et sceptique. Tout lui réussit, mais seule la famille lui importe. Jusqu'à ce qu'il pose les yeux sur Maya, elle devient alors son objet. Il veut la posséder, l'aimer et la protéger. Tout devrait se passer cependant dans leur rencontre, mettre une attirance contrôlable mais dangereuse. Oh, j'aime bien, il est beau en plus. Il y a une tache dessus, des taches. J'espère que ça va partir. Oh, il est trop beau, il est trop beau, trop beau. J'aime beaucoup les dessins. Enfin, les petits trucs de musique. Je ne me rappelle plus que c'était un truc de musique. Après,
Ah oui, j'avais acheté trois livres, du coup j'en ai eu un gratuit. J'espère que je vais aimer. Royal. Je sais pas comment ça va. Il restait quatre. Et du coup, les quatre premiers à acheter avaient un roman. Et du coup, j'étais les quatre premiers et j'ai eu ce roman. Je n'ai même pas lu la quatrième de couverture. Je ne sais pas de qui c'est. Osé. Voilà. C'est un livre à 17 euros qui m'est venu gratuit. Voilà. Il devait le liquider en fait, si je comprends bien. Marieur Asher est une femme d'affaires riche et puissante. À l'appétit dévorant, mais où depuis peu, la jeune malle qu'elle offre un prix. Elle ne parvient pas à se satisfaire entre son angoisse de vieille, sa peau et sentiments de fantôme du passé qui ressurgit là où elle ne n'attend pas. Maria croit du père, père de père pied lorsqu'elle rencontre David, un caractère un peu paumé. Elle ressent enfin l'existence qu'elle craint avoir perdue, mais attirance surgira-t-elle à les réussir alors que tout oppose. Maria parviendra-t-elle à faire taire son passé ou au contraire fera-t-elle la paix avec ses démons? Elle, de quelle peur a bien la significative de cette étrange peluche verte? Voilà. C'est un livre gratuit. Bon, on va pas dire non quand c'est gratuit, hein. Et je crois que c'est le dernier. Et après, je vous montre les derniers goodies. J'ai pris celui-là avec les autres que je vous. Voilà. Dans tes yeux. C'est un tome. Enfin, c'est pas tome. Il a l'air très beau. C'est un peu. Voilà. Dans chaque famille, à propos d'une histoire, certains plus sombre que d'autres. Antonella Diarachi le sait et a appris à vivre avec le poids du passé, mais lorsque Alex fait un irruption dans sa vie, ce n'est pas seulement son corps qu'elle embrasse, mais son cœur. Lors l'amour naissance survivra-t-il à terrifier malédiction qui rage dans cette famille où cette passion dévorante fera-t-elle leur perte. Voilà. Et celui-là, il a été dédicacé. J'ai eu une petite flyers et une dédicace. Voilà. Ah, Jennifer, je te souhaite une belle aventure au cœur de la Bolie. Merci. Merci pour ton soutien. Voilà. Il est trop beau. Et après, j'ai eu deux petits marque-pages. J'avais eu un flyers de leur maison d'édition, édition F. Voilà. Il faudra que je regarde à ça. Accord. Bon, j'en ai eu plusieurs. Deux marque-pages. Après. Et j'ai trois trucs à vous montrer. Oh, il est trop beau. J'ai eu un porte-clés. Je sais pas si vous allez voir. Une ballerine avec une petite ballerine et un. Je sais pas, une petite. Trop beau. Des dragées belges. Et alors, j'ai eu une clé et c'est un bic. Et trop beau. J'aime bien beaucoup le bic. Clé. Voilà pour ce que j'ai reçu, c'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Ça fait déjà beaucoup de livres à acheter. Je vais essayer de tout vous montrer, mais je suis pas sûre que j'arriverai. On va dire tirer les marque-pages là. Hop, hop. Les trois qui sont par là. Hop. Il faut retirer celui de mon père. Je suis pas sûre que j'arriverai à tout mettre. Ça pèse une tonne.
Hop. Je vais te faire tomber quelque chose. Je le sens, je vais faire tomber quelque chose. J'ai oublié celui-là. Oh, purée, tête. Voilà. Le. Je crois que ça fait beaucoup d'olives encore dans ma palle. Oh, ça fait lourd. Ça fait trop lourd. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 nouveaux olives dans ma palle. Ouais, d'accord, ok. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si un des olives vous avez déjà lu ou que vous avez l'intention de le lire. Moi, je vous dis à plus tard et je vous fais des gros bisous. Bisous, bisous.